La rentrée est là. Elle a beau être préparée en avance, parfois, le moindre imprévu complique tout dans notre quotidien. Emmanuelle Berne en fait la malheureuse expérience. Sur Instagram, la maman s'est confiée ce mardi 3 septembre 2024 sur un problème de garde de dernière minute. Les enfants comme les parents redoutent parfois la rentrée. Ce lundi, des larmes ont roulé sur les joues au moment où il a fallu se dire au revoir. Cette étape est d'autant plus délicate quand il s'agit de la première fois. Ainsi, Lucille et Jérôme de l'Amour et dans le Pré ont été très émus par l'entrée de Capucine en classe de maternelle. Toujours difficile de voir son grand bébé commencer à grandir. Heureusement, de nombreuses étapes attendent encore les plus petits. D'autres célébrités ont commencé leur rentrée de la mauvaise des façons, avec un retour de vacances catastrophique. Du côté de la famille Berne-Buncombe, tout était pourtant bien parti. En effet, les deux tourtereaux se sont, enfin, unis au début du mois d'août, en compagnie de leurs enfants, pour leur plus grand bonheur. Un magnifique cliché de la cérémonie a fait rêver leurs abonnés. Cependant, ce mardi 3 septembre 2024, l'ex-danseuse de Dalceste confiait sur un rebondissement inattendu dans leur vie de famille. Emmanuelle Berne ne s'attendait pas à une rentrée si compliquée. Emmanuelle Berne révèle en effet avoir été lâchée à la dernière minute pour la garde de son bébé de 11 mois, Angéline. Hier, ça a été un peu compliqué, parce qu'on est toujours à la recherche d'une nounou, pour celles qui ont un peu suivi. J'ai eu pas mal de vos témoignages me disant que ça vous était arrivé également, qu'on ne vous lâche à la dernière seconde pour la place en crèche ou chez la nounou, explique-t-elle en story Instagram. Cependant, Emmanuelle Berne refuse d'être pessimiste. Ce n'est pas forcément évident quand on a des projets, mais ça va le faire, insiste-t-elle. La maman, qui a déjà fait craquer la toile, a révélé avoir deux pistes pour trouver une solution. Et d'ajouter, pour l'instant nous, ça va être nounou, puisque trouver une place en crèche en dernière minute ou chez une assistante maternelle, ce n'est pas forcément évident. Elle a conclu son message en apportant son soutien à tous les parents qui ont des problèmes de garde de dernière minute, apparemment nombreux. Courage.